Le police judiciaire de CPJ arrêté Géraldine Jean, alias Adine, dans la date jeudi 8 d'août 2024. Association malfaitée, connexion à complicité li avec chef gang, parmi yo, gang qui a opéré dans Fontamara, c'est quelques chef accusation qui pesait sous dos Adine. Comment est-ce que vous avez été mis à peine 6 mois, bien 7 mois. Et ça fait la combattine de vous avez été mis à temps? Oui. Ça fait 10 ans que vous avez été mis à temps. C'est parce que côté de l'été avant, ma traité là, ma vie me concerne une maison parce qu'on ça fait 10 ans que vous avez été mis à temps. Une maison. Je suis vivre avec 11 ans, mon premier lieu, et je suis vivre avec 11 ans, c'est comme toi. Géraldine Jean avoue le séménage Baby et Sikoni qui se chef gang dans zone Bizoton, commune Kafou, et puis expliquer comment relation de commencer avec chef gang criminel ça. Chef captif, je sais pas toi. Est-ce que nous relation avec Baby? Je n'ai pas de relation avec Baby. Je rencontre Baby au mois d'avril. Alors, pas au mois d'avril, je suis comme elle. Je viens de parler ensemble avec elle, c'était au mois d'avril. Je n'ai pas de relation avec ça. Et puis, certes, je suis remis ensemble avec elle, mais je n'ai pas d'avril avec elle. C'est un monde que je suis parlé dans le téléphone. Je suis remis avec elle, je suis remis avec elle, je suis remis avec elle. Ça 25 l'année, maman yon petit fils 6 l'année. Malgré l'âge li, ak an pile avenir li te gen devant, Géraldine seulement contentel sou l'argent la bénéficie nan mes chef gang Bizoton an, Baby. Eli même sa, nan mou maman sa ma vèl ki paye l'école pou mwen, ki te barè mwen bezwen li te kon ba mwen. L'école? Ya mwen ta pa pran tres Afrika. Pour ça qui gen awè ak rapòl développé ak l'autre mob nan gang nan, Adine déclaré li te seulement kon constaté nèg ak zam k'ap rele Baby chef nan zone Bizoton. Soldat nan passé président. Oui, soldat yo. Ou kon soldat yo. Pa kon tout mais ki m kon wè. La kon la pose la marche nan. On a l'aise. Non, pa kon la avec sa marche pa. Marche tout bien. Oui. Après plusieurs mois, Géraldine dit qu'elle était passée dans une relation avec ménage li chef gang Bizoton en Baby. Malgré l'argent, elle a mangé au secob kidnapping, détournement camion, vol et divers autres actes malhonnêtes. Elle a choisi de quitter Baby. Pas parce qu'elle est chef gang criminel, mais plutôt pour une autre raison. Nous avons marché à cause de jalousie que l'État a fait. Pour téléphone, moi, tout ça, et puis il a dit que des bagages qui ne font pas plaisir. Et puis il a dit que c'était autre. Non, nous ne pouvons pas quitter l'autre. Pour ménager, nous avons gagné avant. Ménager, tout le monde, nous avons gagné un bébé. Nous ne pouvons pas quitter si facilement ça. Et puis, l'homme vient connaître les gangs. Mais nous restons ensemble avec. Mais comment sentir nos relations entre l'agent, nos criminels, nos bandits, capturés, nos bandits, nos bandits, nos bandits, nos bandits, nos bandits, nos bandits, comment sentir nos relations? Non, mais l'information n'est pas de chambre de l'école, parce qu'il n'y a pas de problème. Vous devez connaître, 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 vous devez connaître. Pendant la réfléchie des barreaux, Géraldine Jean dit pas prêt pour bailler l'autre femme par elle au conseil. Nous ne pouvons pas faire critère, tout le monde a tout le monde, tout le monde a fait critère, nous ne pouvons pas faire critère, nous ne pouvons pas faire. Police nationale d'Haïti, nous te faisons à partir des éléments que la police lui-même l'était rendu public ou bien l'était communiqué. Et nous avons même posé question tout sur ensemble de précision nous estimer la police était kabay li pas bay. N'a pas songé. La police dit il était arrêté Banat Daniel à bord de un véhicule service de l'État couleur blanche zoréquin Land Cruiser. Et que le joigne trois âmes là dans deux pistolets, 11 âmes de longue portée. Nous-mêmes, nous t'intéressons qu'on est en machine comme ça. Si c'est machine l'État, il est tout bon vrai. Pour qui est-ce? Pour qui institution? Non, mais qui est-ce l'État doué? Yeah.
pour qui ça c'est dans mes banat Daniel lié, est-ce que banat Daniel a prêté service à une institution en dans l'État, ou bien est-ce que son machine qui peut être pour un particulier et que nèg yo mette plaque service de l'État là-dedans, soit pour pas attirer l'attention notamment agent de l'ordre dans la rue. Mais comme pour qu'on ait un rapport exhaustif sous opération, nous te contentons pour nous faire analyse à partir de donner la police république. Mais nous gagnons contact nous au niveau de la DCPJ qui partageait quelques éléments avec nous qui te fait que nous te quand même gagnons en quantité de données qui raisonnable pour nous être capable d'apprécier sa crivée. Mais ça va t'empêcher que tout ça nous dit, nous disons que la police, d'après la police, pourquoi ça nous dit que la police là? Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui alpha enquête nous et qui venons avec les mains ou là qui viennent partager avec les auditeurs. C'est la police qui bat en conférence pour la presse. La police dit, mais ça y a fait, mais ça y a joint, mais ça y a gagné, mais ça y a saisi, mais ça y a confisqué, etc. Par contre, ça même j'ai tout. Les directions centrales de la police judiciaire, qui c'est DCPJ, au niveau de la police nationale d'Haïti, ils ont mené une enquête et puis ils ont produit un rapport. Certaines fois, un rapport contre le public, mais des fois, tout c'est des rapports confidentiels que nous autres journalistes nous conjoignent via sous nom. OK? Et puis nous venons là, nous avons partagé l'information avec l'auditoire, l'internaute qui est en fonction de sa DCPJ dit, nous pas pral camper pour nous dire, depuis DCPJ fin parler, c'est amen. Nous pas pral camper pour nous dire, parole DCPJ, c'est parole l'évangile. Cependant, comme on institution, bien on, disons, structure, bien on direction importante dans la police, nous fait DCPJ confiance assez pour nous connaître que DCPJ gen la dans des techniciens. Pour nous connaître que DCPJ a dans des enquêteurs compétents, pour nous connaître que DCPJ a dans des techniques sophistiquées guerriers de seul, qui capable de permettre que vous menez une enquête digne de ce nom. Donc si vous même qui gagnez compétence pour ça, qui est qualité pour ça, pour produire une enquête, est-ce que vous pensez que nous-mêmes nous avons nous dit enquête DCPJ à bon? Oui, il y a un bagage qui dit dans la rédaction rapport qui peut être présente dans une zone d'aube, nous avons posé question, hein? Mais nous ne pouvons pas dire le pas bon. Parce que pour nous dire le pas bon, il y a deux bagages. Il faut que nous ayons une compétence. Hein? Ok? Pour nous capables de dire, mais contre rapport pas nous. Deuxièmement, il faut au moins nous ayons une vérité. Parce que pour nous dire le mentir, il faut que nous ayons une vérité. Est-ce que d'accord? Je ne vais pas arrêter comme bon me semble et puis nous dire, ah, il y a un abdi à mentir. Il faut que nous ayons un élément même. Yes. Si je n'ai pas de même, je ne peux pas faire toute la voix parler, je fais toute la vie, je ne peux pas démentir. Parce que je connais que je suis vérité. Et vérité, parce que ce sont l'autre qui dit non. Parce que moi-même, moi peut-être, j'ai des éléments tangibles qui disent que je suis même non, c'est la vérité. Mais si je n'ai pas de vérité, c'est une structure compétente qui mène une enquête. Et puis qui produit un rapport qui dit que ça joue comme données. Oui, je toujours une réserve. Non, au niveau, bien non, l'autre. Même Baravine là pour me rejeter le revers de main. Et c'est ça que je dis toujours avec le rapport ULCC. Le rapport ULCC, c'est un monde qui connaît, capable de décider de dire qu'il y a capable de décider de dire qu'il y a un. Mais comment moi, Baravine là, un bon matin, pour une institution, pour un rapport, et puis pour me décider de dire, bon, rapport, ça va bon. Sous prétexte que je suis un homme qui cite là-dedans, sous prétexte que je suis un homme qui veut protéger, sous prétexte que je suis un qui dit, ah, je vais pas aimer dans le cité, et puis moi-même, je suis venu pour discréditer le rapport, etc. Non. C'est un monde qui a une compétence pour ça, capable de décider de dire, tu as fait un rapport, ou tu es capable d'analyser le rapport pour dire, mais comment elle doit faire ou pas. Et voilà pourquoi, guerrier du seul, le rapport ça a produit, il n'y a pas juste été au niveau de structure qui produit. La loi baille un mécanisme pour y sortir côté au produit, pour y aller de l'autre côté. Pour qui ça, guerrier? À mon sens, c'est parce que vous connaissez des débats approfondis. Qui a fait, yo connaît tout, des possibilités pour remettre la question, yo connaît tout dans recommandation qui bagaille yo carré ouais. L'DCPJ fin produit rapport, li pa kembel le bel mari moun yo condamné non.
la loi dit faut le voyer li ba la justice et la justice li même l'appréciation pour regarder conclusion rapport de CPJA capable même mener une enquête parallèle à fonction de données de CPJA ça qu'arrivé conclusion la justice li différente de conclusion de CPJA parce que peut-être juge ou bien technicien dans la justice qui prend le travail sur dossier ka aller plus loin que des CPJ ou bien ka exploiter un indice ou bien une piste que des CPJ te doit ignorer qui mène de l'autre côté. Marrant, vous comprenez. Et les législateurs à ce niveau, ils pas bêtes, ils pas dupes. Là où nous disons que la police est auxiliaire de la justice guerrier. Ça veut dire la police travaille pour la justice. OK, et maintenant c'est la justice elle-même à partir de données la police qui pral approfondir travail là et c'est la justice qui va gagner pour juger, qui va gagner pour condamner même j'ai tout si il y a possibilité pour innocenter à innocenter. Par contre, vous comprenez. Clair. Nous pas écarter possibilité car on enquête qui fait et puis les orienter hein, d'autant que nous sommes en Haïti. Le pays où l'impossible est toujours possible. Nous pas écarter possibilité que il doit une enquête cap mener pour une raison bien pour l'autre. OK? L'influencer. Il va écarter possibilité. D'ailleurs, plus d'une fois nous expliquer ça ici, il y a des dossiers qui qu'on a traité au niveau d'un ensemble d'institutions dont la direction centrale de la police judiciaire pour une raison bien pour l'autre dossier arrive en côté, li campé ou bien DCPJ produit rapport comme ça doit et puis rapport ça aller dans tiroir. Pas jamais gagné en rien qui dit définitivement d'où l'expression l'enquête se poursuit. Par contre, nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons pas écarter possibilité de ça. Mais nous autres, comme des gens qui respectent l'institution, la CAENO, malgré nous ici, entendre pour nous faire craser ou bien pour nous craser tout carrément, mais toujours été quoi que pas un pays qui a fonctionné ou bien pas un pays qui a fait exercice démocratique guerrier qui voulait l'ordre de la donne pour fonctionner sans institution. Notamment institutions républicaines guerrières. Nous-mêmes qui respectons des institutions guerrières de seul, DCPJ pour du rapport, et nous, qui avons un rapport grâce avec source, nous, où est Sakladal, nous, lit Sakladal, ou pensez que nous avons venu là pour nous dire, ah, DCPJ ouvre avant tout, DCPJ, et ça ne dit pas bon, DCPJ, il y a pour notre rapport, DCPJ, nous ne pouvons pas faire ça. Nous capables de partager avec l'auditoire, là, avec internautes, essentiellement, hein, ça qui dit en dans document. Nous capables de partager avec auditeurs nous yo, internautes nous yo, en substance, ça qui dit dans document. Quand il y a là, l'appréciation nous, guerrier de seul, ce qui est subjectif, hein, nous avons toujours peut-être une réserve sur certains points. Yes. Mais sur le président Gavin dit, bon, ce rapport de la DCPJ, c'est du n'importe quoi, donc on le rejette catégoriquement. À qui compétence, à qui autorité au faisant. Non. On a c'est les rapports à laisser si rapport à des failles, des manquements, les rapports à aller au niveau de la justice, avocat yo guerrier du seul, avocat moun qui est indexé en dans rapport capable exploiter failles ça yo devant qui de droit. Vous comprenez? Yes, donc si des moyens pour redresser là-bas pour le fait. Yeah. Mais bah nous même comme journaliste qui pral vinn là pour un intérêt X ou Y, on a dit bon tel travail dont institution qui même compétente pour faire travail, on dit bah bon. Sous monde qui n'a quoi, non? Non. A qui autorité? C'est pas possible. On ne peut pas attendre que ULCC font enquête, ils produisent un rapport là, pour me dire pas bon. Bien sûr, on va remettre la question par rapport avec certaines préoccupations. Bien sûr, on a toujours une réserve comme journaliste, comme monde qui peut-être a gagné des données en plus. Mais on ne peut pas camper pour me dire pas bon, guerrier. Sur qui base, on ne peut pas bon. On ne peut pas camper pour me dire pas bon. DCPJ qui est là-dedans, des techniciens, des enquêteurs, des gens qui ont l'école pour ça, des gens qui étudient pour ça, des gens qui consentent des efforts pour ça, des gens qui ont des années à faire travail ça, et puis pour me lever un bon matin, pour me prendre un micro, pour me tomber craché sur le travail, pour me dire le bon. Par contre, vous comprenez, non, yes, c'est pas possible. C'est comme si son médecin qui doit faire un diagnostic là sur un malade, et puis moi-même, comme pour faire un diagnostic dans le domaine médical, je me garde diagnostic, je me dis, ah, je dis, ça va bon, non. Président, je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Par contre, il va bon. Je vais regarder ça, docteur a dit. Je vais essayer de comprendre. Je vais poser des questions. Puisque, dans la compréhension, je vais une préoccupation. Mais je vais battre Dieu pour me jeter de revers de main les conclusions
de travail, on série de enquêteurs, on série de monde guerrier de seul qui a une compétence pour ça. Yes. Il revient maintenant à la justice, les rapports à vin joindre, par exemple, si rapport à fin bout du là joindre parquet, parquet même par contre ou même qui met guerrier ou uniquement qui met parquet après quelqu'un les même pour voyez le bail d'instruction. Bail doyen, doyen a choisi juge d'instruction, etc. On y a l'arrivé dans le cabinet d'instruction, dans l'appréciation du juge, dans l'enquête du juge, dans l'analyse du juge, dans l'enquête approfondie que le juge a mené, il est capable de décider, il dit, il casse le rapport de CBJA ou les conclusions du rapport de CBJA. Ça arrivait, ce n'est pas la première fois, non? Ou songez dossier épiscopal là. Dossier épiscopal là, DCPJ li même zo, même moun ki la dan, même moun ki dwe gen mandat, même moun yo dwe arrêté, même moun ki te participé nan fè konteneur zam nan rentre, mais pour qui ça, mais pour qui ça, pour qui ça. Et puis, arrivé au cabinet d'instruction, juge la décidé autrement. Et juge la peut-être gen explication pas pour décider comme ça. Yes. Par contre, vous hier, nous t'ai parlé de un document de 27 pages. Et faut que moi dis nous, son document confidentiel. Yon. Document qui doit adjoindre la justice via le chef du gouvernement guerrier du seul pour les suites nécessaires. Qui s'allie, c'est un supplément d'enquête que le bureau des affaires criminelles guerrier du seul, vous voyez, bah, le commissaire gouvernement, ok, on a parlé de BAC, sous une série d'enquêtes, la DCPJ menait après, bien sûr, quelques filatures, vous comprenez, après bien sûr, quelques arrestations, vous comprenez, vous avez fini fait, et puis les a essayé de cuisiner les gens qui ont arrêté, les a essayé de questionner, poser des questions, interroger, c'est une gazelle comme ça, et les gens qui ont arrêté, ils ont rejoindre des bagailles. Ils ont rejoindre des indices que les gens qui ont arrêté, ils ont de seul, ils de très bons rapports et il va aller plus loin dans le document pour dire de connivence avec de groupes armés en de pays ou bien avec la coalition Vivre Ensemble qui constituait le principal groupe gang en de pays. Et nous avons commencé à expliquer ça, guerrier de seul. Yonna Kayo, c'est qu'un journaliste, guerrier de seul, qui relait Ivner Sila Fanor. Nous avons commencé par ce détail hier. Selon le document ça, dont nous disposons copie guerrier de seul, eh bien, la police a arrêté monsieur à nous expliquer à bord d'un véhicule Jeep Liberty, couleur bleue, etc. Des bikes plaques là dans une Tiojo. Il mené dans le commissariat. Après ça, le commissariat a fait rapport. Il a voulu le DCPJ. Et bien, l'a posé la question sur l'incompatibilité qui gagne entre pièces li avec papier machine, téléphone, yo joine l'a fouillé téléphone, yo joine que l'a gagne des numéros qui suspect, l'a écrit des compagnies de téléphonie mobile, tant qu'on dit c'est la CNATCOM, qui ba ou des relevés téléphoniques, qui ba ou tout, sous qui non, ou ensemble de numéros, yo même yo enregistré, yo rivé, joine, guerrier, que journaliste là, li gagne numéro tout chef gang yo en dedans pays. En plus de ça, yo joine que monsieur yo parle avec une fréquence régulière, c'est une cadille comme ça. Yo joine tout que journaliste guerrier du seul à partir de localisation téléphone yo joine dans machine yo numéro côté appel yo fait etc. que le fréquenter une série de zones, très souvent des zones qui sous contrôle des groupes armés. Et dans recherche approfondie, enquêteurs rivé joindre gagner des échanges sur WhatsApp, des messages texte, comme ça tout des messages audio, des voice notes côté journaliste a communiqué en permanence avec des chefs de gang. Yo joindre à partir de relevé téléphonique, yo, y a des appels de conférence qui fait assez souvent. Et journaliste là, li avoué selon les enquêteurs de la DCPJ que li effectivement de très bons rapports avec
monsieur gang yo. Li avoué que oui, li kon aller nan ghetto yo. Mais il kon aller parce que c'est journaliste, mais li kon aller tout parce que il t'a joué un rôle de médiateur puisque lui même il était souhaité y la paix. Il était posé la question pour demander puisque ça gon coup côté le joindre l'argent etc. pour le faire genre de initiative ça yo, li expliquer guerrier de seul qu'il puiser l'argent de fonds personnels. Je vais dire que bon petit moyen, un gang yo pas parler de l'argent. Nous supposer selon DCPJ toujours journaliste là dit guerrier de seul yo kon kidnapper des moun proche moun sa yo vinn solliciter et lui même il fait des interventions bon côté chef gang yo yo libéré moun sa yo. Selon la DCPJ journaliste là dit que li pas seul journaliste qui gen relation ça avec gang yo guerrier de seul li bay on liste de journalistes li dit qui rentré sorti en dans ghetto qui rentré sorti côté gang yo ya et qui gen même capacité avec lui guerrier de seul. Toujours selon ce document de la DCPJ, un document assez volumineux de 27 pages monsieur guerrier de seul. Dans un interrogatoire complémentaire, Ivner Sila Fanor, alias Falap, ancien journaliste pacifique, et il reconnaît, selon DCPJ, effectivement que lui en communication, je ne t'ai pas dit à l'heure, avec un paquet de chefs gang dans l'ère métropolitaine pour le Princeton. Et DCPJ, effectivement, fait constat ça à partir de l'analyse au fait de relevé téléphonique là. Monsieur Ivner Sila Fanor avoué que li habitué aller dans fief gang yo. Il dévoqué guerrier que le pas seul journaliste qui gen pratique ça. Mais gen deux moun comme confrère li insisté sou yo. Li di moun sa yo souke kon yo. Si nou souke kon yo n'a pas gen kon ki pas correct. Par exemple, c'est confrère li Evenson Jourinville avec blanc ainsi connu. Li di yo même tout yo deux mèches avec les gangs. Attention, c'est pas DCPJ qui fait conclusion ça selon document que devant là. C'est journaliste là qui dit DCPJ sous chercher plus toujours après c'est pas seulement moi même comme journaliste qui a un mode de relation ça yo avec gang yo. Et le cité des noms. On l'autre bord, il y a Yedieu seul, les opposés journalistes là question sous appel conférence yo joindre que le fait une analyse donnée téléphonique avec plusieurs chefs gang notoires parmi eux Jimmy Cherizier, Vite l'homme innocent, DCPJ Cap Palais, Claudie Célestin, alias Chez Méchant, Kempes Sanon, Jeff Larose, Mathias Mikanor, James Libellet, Obama Piesti, Jean Gardi, Nazaire Twitier, Roy Eyeye ainsi connu. Eh bien, journaliste a expliqué que tout appel conférence que DCPJ Weyo, guerrier, c'est des appels qui t'est inscrit dans une dynamique pour prôner la paix entre différents protagonistes. Okay. Cependant, DCPJ allé plus loin pour le dire. Un message audio, yo joindre sous message, pas sous message, sous téléphone journaliste là, sous WhatsApp, que n'est capable de lire comme ça. Depoutant des chavines prend yo là, c'est père ou père. Général li bon, il fait moi mettre partager. Voice yo, de boutan de chavine pren nèg nan palè vide nan mouman, kite chav finale, sa nap fè a pou nou fèl. Là, son message audio. Son message audio, DCPJ dit. 11 secondes, 9 mars 2024. Ah, ou sou moun, li joun sou téléphone, journaliste. Et journaliste a témoigné que message sa, li te inscrit dans le contexte de discussion que li te gagné avec des chefs de bande qui t'ap fait des menaces pour bloquer ou retour ex-premier ministre Ariel Henri Guerrier de seul. En plus, selon document ça, vendredi 12 avril 2024, journaliste qui voulait coopérer davantage avec dénonciation l'autre individu qui t'a de connivence avec gang, parce que yo dit sur ce jour-là, ce petit plogué semble être plogué, il venait si la fano, journaliste qui dit lui-même, lui déjà dans son net, lui déjà enquêté, lui commencé parler la fin parler, monsieur indexé un ingénieur. Lui dit ingénieur ça qui a tel numéro
43 46 46, c'est administrateur bien chef gang Wilson Joseph alias Lamborghini Jou, journaliste Agent Tibay. Il dit on l'autre côté que gen un certain Kofi alias Rasta et Odai ainsi connu qui de connivence avec gang yo tout. Il dit dans ça concerne les premières qui c'est Kofi, il dénonce comme chauffeur camionnette qui a assuré trajet Delma 33 silo qui te fait office de courtier gang 400 Maozo. Alors que pour Odai lui-même, il gagne plusieurs chapeaux, non seulement il te compte planifier opération dans série de zones notamment dans la commune Delma pour coalition gang qui relait tête de vivre ensemble, mais tout il était qu'on assurer rôle d'interface entre vivre ensemble avec l'ancien sénateur Guy Philippe. C'est pas moi qui a parlé, c'est DCPJ qui a parlé, qui rapportait les déclarations de Ivner Silafanor alias Falap qui est journaliste qui en bas main la police. Où on gaison? Il est perdu. Ou dit non planifié, ou dit ou d'ailleurs même bien planifié opération. Et François a besoin. Les dénoncés ont certain Kofi alias Rasta ak Odai ainsi connu. Dans ce qui concerne les premières, c'est-à-dire Kofi, d'après journaliste Ivner Silafanor qui t'a répondu une question enquêteur de CPJ, c'est chauffeur camionnette qui a assuré trajet Delma 33 silo. C'est lui-même qui fait office de courtier gang 400 Maozo. Pour Odai la lui-même, selon journaliste Ivner Silafanor, il y a plusieurs chapeaux. Non seulement il te compte planifier opération dans une série de zones, notamment dans la commune d'Elma pour coalition gang là, on a parlé de vivre ensemble, mais tout c'est lui-même qui te compte assurer le rôle d'interface entre la coalition et l'ex-sénateur Guy Philippe. OK. Pour bon, l'autre préoccupation gagné. Comment t'allez? On faut petit copier là gagné c'est ça. Nous autres qui ça nous comprend et qui ça nous pense, Géry? Jouer un numéro de téléphone, yon chef gang, sous téléphone, un journaliste, pour nous autres, c'est pas là le problème. Yes. Tout au moins, c'est pas le problème. Jouer que un journaliste qu'on parle avec un membre de gang ou bien un chef de gang, pour nous autres, c'est pas voilà le problème. Raison en simple, guerrier. Combien de fois journalistes étrangers qu'on a rentré dans le pays pour faire reportage dans fief nèg Zambio. Mais bon moyen de contact quand même. Ou d'accord. Bon, on pas même besoin à prendre exemple journaliste étranger qui a rentré dans le pays. On juste garder peut-être jodi a des médias qui parlent en logique là encore. Mais t'es un temps guerrier. Dans pile média, t'es un chef gang balé. Oui. Dans pile média, chef gang t'es un parler sous yo. Oui. Et chef gang ça au te parler, c'est pas un coup de baguette magique. Oui, non. Oui, c'est contact téléphone. C'est contact téléphonique qui t'es fait. Oui, oui. C'est des appels téléphoniques qui t'es fait. Probablement, t'es un baguette des échanges avant même. Ils ont dans l'air. Marron, tu comprends? Donc, un chef gang qui a un numéro de Johnny Ferdinand, qui écrit Johnny Ferdinand, c'est pour là le problème. Johnny Ferdinand qui t'a qu'à parler dans le téléphone avec un chef gang, ou qui écrit avec un chef gang, c'est pour là le problème. Ça qui intéresse maintenant, nous-mêmes qui suivre, c'est qui ça qui dit? Qui ça contenu échangé, contenu appel? Qui ça qui discute? Deuxième bagaille, qui modèle rapport que journaliste a développé avec chef gang? Et c'est ça que je pense qui est important. Parce que moi, je vais vous dire, si moi-même, comme journaliste, je contacte un chef gang, dans le cadre de travail, j'ai besoin d'informations supplémentaires, je vais information, et puis après, ça s'arrête là. OK. Si comme journaliste, je vais entendre des gens qui disent qu'ils indiquent son groupe gang, moi-même, dans le cadre de travail, j'ai besoin qu'on connaître qui ça va aller, ne serait-ce que pour équilibrer. OK. Mais guerrier Dieu seul, si j'ai un numéro chef gang, n'a pas les matin midi soir moi j'ai possibilité pour mal l'en fief pour chita pour boire grog moi capable reler pour me dire le rageur là qui ça le café pour moi guerrier du seul caille moins bout moi ca reler chef gangza pour me dire mon cher caille moins bout là garder son café pour frère ou bien chef gangza li ca acheter machine ban moi li ca acheter moto ban moi li ca acheter téléphone ban moi guerrier du seul et que moi même comme journaliste,
moi j'ai capacité si la police a intervenu au côté pour me relayer chef gang ça en temps réel pour m'informer pour me dire mais côté la policier mais ça la police a fait la guerrier de seul c'est pas rapport journaliste encore rien bah non l'autre bail là non nous clair sur ça là c'est pas rapport journaliste la gagne avec on l'autre monde dire ou n'importe qui ça ça c'est deux amis qui a fonctionné et on ca considéré comme membre actif gang là parce que moi connais guerrier Dieu seul bah le exemple sur guerrier vous dire son des sages moi connais chef gang ça côté le fait comme guerrier moi connais qui ça le fait pour le faire comme et puis me prend plaisir m'a manger l'argent avec elle moi le côté n'a parler et cetera n'a discuter si bien que yo ka kidnap un moun là pour me décider dire yo mettre kembe ou bien libérer le nous sommes membres gang là pas entier de quoi on parle par contre si nous comprenons non on mange l'argent yo moi dit ça et ça me dit clair grand pied d'elle c'est pas parce que on nèg gagné numéro mon chef gang dans Presta qu'il faut ces gang c'est pas parce que ou parle avec un gang ou bien on gang parle avec qu'il faut ces gang c'est pas parce que ou écrit on gang écrit qu'il faut ces gang les dépend un de qui ça nous dit qui ça nous discuter et deux de qui modèle rapport nous développer et à mon sens c'est là tout le débat ou quand même à couvrir conférence d'ailleurs et chaîne internationale qui vient faire grand reportage avec Gagno c'est pareil avec un journaliste qui lui même décidé de prendre dans fief gang pour la pour la parole dans bouche et c'est pas parce que tout c'est pas parce que c'est-à-dire son choix, il doit son choix éditorial, il doit être dans la politique média, il décide qu'il doit dire qu'il doit aller. Là, il doit ça tout. Mais on est par exemple, qui, dans le cadre de conférence, qui rentre dans le ghetto, qui fait un reportage, qui bat un gang balé guerrier de seul, qui est une faction de commettre. On a est-ce que une mesure exceptionnelle qui te prend, ou bien est-ce que bon côté, la loi dit que un journaliste n'a pas de droit. Bay chef gang balé ou bien dans cadre quel que soit travail journalistique là ou pas doit rapporter ça gang dit si on loi dit ça n'a pas d'accord que journaliste a violé la loi mais si journaliste a contenté pour le faire ça seulement bah on a qui sent le coupable par contre si après le fin bay parler a gien l'autre rapport développé par exemple rapport l'argent rapport pour acheter machine rapport pour acheter motocyclette rapport pour bay cob manger rapport pour équipe bagaille rapport pour acheter téléphone sauf fait tout est pour eux comme ça sont l'autre bagaille rapport tout est comment ça pas journaliste encore c'est pas journaliste Gabriel je suis désolé de le dire hein. C'est pas journaliste Gabriel c'est ça que fait penser que DCPJ j'en saute dire donc qu'il est chargé avec des experts là-dedans des monde qui connaissent ça à fait donc enquête ça a mérité bien approfondie bien sûr yeah, c'est pas parce que je ne dis là que n'a qu'on parler avec un chef gang qu'on a la conférence au chef gang qui fait le gang qu'on a c'est qui type de rapport qui développe avec avec. Donc même j'ai fait pour citoyen ou arrêté comment c'est là pour me parler OK des syllabes yo joindre des conversations Ivner Sila Fano alias Falap Falap voilà yo joindre des conversations yo joindre des audio donc même j'ai avec de l'autre journaliste que monsieur cité donc yo pral chercher garder dans téléphone yo qui sa conversation yo avec nego on ti précision tout petit guerrier du seul c'est pas DCPJ qui cite l'autre journaliste oui ouais, monsieur ouais. C'est pas DCPJ qui dit l'autre journaliste dans gang c'est monsieur qui dit qu'on est rentré dans ghetto c'est monsieur qui dit le cap là chef gang yo qu'on a fait interview avec yo etc et puis il dit c'est pas seul lui-même comme journaliste qu'on fait. Et puis il citait des journalistes. Est-ce que parce que le site des journalistes, ça veut dire que les journalistes ont gagné ça? M'bakouen, qu'a fait conclusion ça? Et m'bakouen, des CPJ fait conclusion ça. Sinon, le dégât m'a arrêté. Il m'a dit oui. Il m'a arrêté tout? Oui. Oh, bah toi. Il m'a dit oui. Il m'a dit Marie Mouliste. Oui, oui, oui. Il m'a dit ça. OK. Il m'a dit ça. Non, on parle de conclusion alors. Ma qui de conclusion vous on va dans la conclusion. Moi le premier dame, il était deux cas intéressés, mais là pas avancé. Ma fin de cas journaliste, moi le premier dame. Bah quand tu comprends. Yes. Bon même là encore guerrier. On pas faire bas tout ça me dire. C'est pas oublié. Gon paragraphe dans document côté monsieur dit ou bien monsieur cité deux journalistes nommément.
monsieur dit deux moun sa yo même yo deux mèches avec gang yo au même titre que lui. Ce que le pas dit l'autre journaliste dans paragraphe avant yo. OK. Par exemple, il cite nos Joinville avec blanc ainsi connu. Il dit clairement que deux moun sa yo yo deux mèches selon des CPJ hein, moi me bat là. Que moun sa yo deux mèches avec gang yo au même titre que lui. OK. Il pas dit ça pour l'autre avant yo non. Non mais comme ça mieux. Sans vouloir défendre personne, mais monsieur dit que journaliste avant yo, yo gen rentré sorti dans fief gang yo tout. C'est pas seul les mêmes comme journaliste qui ont rentré qui parle à gang yo, qui parle à gang yo, qui fait conférence à gang yo, qui a couvert activité gang yo. C'est ça monsieur dit. Bon, bien saisi. Par contre, vous comprenez guerrier de ça. Donc c'est ça. Donc nous autres guerriers nous pas pral dit mais qui est-ce qui dans gang, mais qui est-ce qui va dans gang. Cependant, selon la direction centrale de la police judiciaire, yo joignent des données, notamment données téléphoniques, et pas seulement un numéro qui dans répertoire téléphone en journaliste, mais yo joignent des échanges sur WhatsApp, texte ou audio, yo joignent des relevés téléphonique qui lié à question appel conférence, yo joindre des relevé par relevé, yo joindre des données qui lié à question géolocalisation etc. et yo poser question à partir de constatation enquêteur yo et à partir de témoignage ou bien de aveu journaliste Falab Guerrier DCPJ conclut que monsieur Nangan. C'est pas moi. Et même Jean Dé pour Banat la police dit message jeune message jeune il conclut que Banat dans la gang. Bon, si okay, si DCPJ conclut ça. Si la police conclut ça et vous voulez moi même pour me dire non il pas vrai. Et vous voulez pour me dire jusqu'à preuve du contraire selon la DCPJ, selon la police nationale d'Haïti que le débat Banat Daniel que le des monsieur qui est Ivner Silafanola c'est des membres par entière de groupe armé en pays. Je toujours dis ça et me dit lundi dernier son honte pour me dire ça parce que c'est quand même des confrères que l'on veut ou non. C'est quand même des monde qui na corporation à laquelle que m'appartenu. L'autre cas qui était intéressé dans dossier ça guerrier du seul ou bien dans rapport supplémentaire ça c'est quatre mesdames la police Marie Concrabe. Et mesdames, ça y est, guerriers du seul, les alfouillés téléphones, ils tout, ils joignent que ils ont de connivence avec gang 5 secondes qui a évolué au niveau de village de Dieu. Alors, ça qui est plus attiré attention, c'est pas ça que j'ai dit récemment. C'est parce que dans l'interrogation, ou bien dans. Pas interrogation, comment on dit ça? Interrogatoire. Oui, interrogatoire. Okay. Yeah. Mesdames, yo avaient expliqué que. C'est pour l'argent qui fait yo. Et ça m'a expliqué récemment, l'endap dit tout est une question de choix. Il dit ses amis qui dit ba yo bon en bas, nèg exam yo bay bon l'argent. Donc sous influence amis à l'aller, il a un petit problème financier. Effectivement, à chaque fois il descend en bas, il a braler qu'on a la 25000 good etc. Donc bah bon belle amie. Il sort en beaucoup de sang en bas. Amis. Regardez brièvement, ça ne va pas entrer dans les détails. Qui ça et DCPJ dit guerrier de seul. Et bien, sous cas ça, guerrier, le 19 février 2024, pendant la police a fait un contrôle de routine, dans le niveau boulevard Autociel Ouverture, notamment dans l'intersection Carrefour Toamé, pour le monde qui connaît Delma très bien, il y a des policiers. Qui est affecté dans le commissariat à l'aéroport, qui était intercepté Paola Stéphile alias Paro avec 8 Michel Noël alias Michel. Vous parlez à mesdames, vous posez mesdames vos questions. Les vous vérifiez téléphone portable, mesdames, vous joignez en parlant de policiers que mesdames Sao est en connexion avec plusieurs membres du gang 5 secondes, parmi eux sous 5 secondes. Qui lui-même a un numéro téléphonique 4850 selon la DCPJ 3620. Zepe Kenyo, qui lui-même a une coordonnée internationale plus 786 721 51 23 436
43 65 10 52. Et selon la police nationale d'Haïti guerrier du seul, les ont fait une découverte ça qui a attiré l'attention. Et bien policiers yo tout premier dame Mario Concrabe et puis saisi téléphone yo guerrier du seul. Après ça, vous voyez dans le service d'investigation, commissariat aéroport, Paula Stenfil, alias Akawit Michel Noël, alias Michel, ils déposaient aux questions guerriers du seul. D'abord, Paula, ils reconnaissent qu'il y a une relation avec des membres du gang 5 secondes, parmi Ososo, Tête pas droite, et Zepekenyo, ainsi connu. Et pour Zepekenyo lui-même, eh bien, Paula t'est présenté la police dit, comme ménage cousine relé Neftali Revolus alias Tali. Yo l'autre bon, Paola t'es fait. La police connaît dans mois janvier 2024, il t'ai chasse fréquenter quartier village de Dieu, côté le dit il t'ai gain des rapports sexuels, il t'ai fait bagarre avec Soso ainsi connu. Il dit et jour ça son chauffeur moto, vous comprenez qui t'ai transporté yo deux, lui même avec un ami qui les maillot dans village de Dieu. Paola Stenfil alias Paro dit c'est plaisir l'idée qu'on a le prendre petit cobli fait tibar aller aller mais il pas joue aucun rôle guerrier du seul dans réseau selon des CPJ malfaiteur ça qui porte non 5 secondes guerrier. Pour Whit Mitchell Noël guerrier du seul lui déclarer effectivement qu'il était interpellé en raison de liens avec certains membres du gang 5 secondes parmi eux tout le monde dans cette cité là ou là. Et Michel fait connaître que il était connu gang ça ou bien membre gang ça grâce avec acolyte lui Neftali Revolus alias Tali qui d'après Saldi Guerrier t'est partagé numéro sur 5 secondes avec lui et qui t'est présenté comme monde qui capable aider pour répondre à une série de préoccupations financières. Alors qui ça Neftali de dit Michel, il dit Michel, on prend c'est là où vous voulez lancer. On belle si mon bien forme d'un coup. Donc ça on va passer par pas ça cher, pas coûteux ben comme. Et puis il dit mes numéro monsieur mettre l'île. Et toujours d'après ça, Michel dit dernière fois elle te rencontré et bien sous 5 secondes guerrier du sol, il était fait bagarre avec lui, il était bali 25 000 gouttes. Les CPJ qui a parlé, c'est pas moi qui bat là. Il y a bon, oui, Michel Noël, alias Michel, lui a avoué effectivement que le connaît chef gang Johnson André, alias Izo, pendant le révélé que lui habitué à aller la caille Izo dans le village de Dieu. En plus, il a assumé qu'effectivement, il connaît ni Soso, ni Zepekenyo, ni Tête pas droite, et il connaît comme membre gang 5 secondes. Cependant, il n'a pas caché l'habitude pour la joindre. N'importe le. Mercredi 21 février 2024, selon DCPJ, dossier Paola Stéphile alias Paro avec Whit Michel Noël alias Michel, il est arrivé joindre la direction centrale police judiciaire. Après ça, il est transféré dans le bureau affaires criminelles pour suite enquête là. Et c'est alors une équipe enquêteur qui te prend dossier en charge avec toute pièce sur tout objet qui a rapport avec lui. Par exemple, selon le CPJ, il y a un téléphone portable de Max ZTE couleur bleue, il y a IMEIA, etc. Avec un 4 SIM, compagnie téléphonie mobile NATCOM 40 49 98 32, qui était pour Paola Stenfil alias Pao. Un téléphone portable de Mac iPhone 6S de couleur rose et blanche de numéro d'IMEI, etc. Muni d'un 4 SIM programmé à la compagnie GSL, numéro 36 49 27 05, qui appartenait à la nommée Whit Michel alias Michel. Et dans même joie, d'après le CPJ, après prise en charge là, enquêteur, eh bien, qui était assigné au dossier, eh bien, il était sur route, guerrier de seul, pour interroger Paola Stenfil alias Pao et puis oui, Michel Noël alias Michel. Mais avant, il était notifié, il doit qu'il gagne, patata, pour prendre avocat, guerrier de seul. L'autre précision importante de mettre guerrier, dans la perspective, selon DCPJ, pour te continuer à traquer l'autre membre gang là, 5 secondes, et tout autre individu qui est en ramification avec M. Gangyo, la police nationale d'Haïti a été obligation pour continuer à faire des recherches pendant d'utiliser tout moyen qui visait à épingler et puis mettre hors d'état
de nuire. Comme ça, dans matin le 19 février 2024 là, eh bien guerrier du seul dans matin lundi 19 février après bien sûr, il a fini arrêter mesdames yo, eh bien la police te dit libéral approfondir recherche li. Eh bien dans recherche, il vient tomber sur des indices le jeudi 14 mars 2024. Enquêté au capitaine de dossier, il a procédé à exploitation téléphone portable par Oula Stinfil alias Pao. On te baille Macla déjà, on te baille numéro. Et bien, dans le répertoire de Guerrier du Seul, il a joué que Pao a identifié et puis reconnaître que le numéro Johnson André, que nous tous connaissons sous nom ISO, l'identifier sous même nom avec journaliste là. Pas rien à l'aise, bof à l'aise, artiste là. Et numéro 1, son numéro international, il mettait pour ISO. Pas gain à l'aise, bof à l'aise, artiste là. Artiste. Plus 1 809 492 04 66. Et c'est numéro ISO. Ensuite, dans le même registre là, il y a un jeune que Paola a identifié et reconnaît que l'était associé non Zamita et moins Marim avec numéro 34 44 25 96, qui c'est pour gang ou bien pour membre gang 400 Marzo c'est Pekenyo. Comment les li? Li relil sous téléphone selon DCPJ Zami Tay moi Marim. Marim. Mais ça me veut noter. Et des monde qui d'amour. Mesdames Zao arrêté village de Dieu. Est-ce que d'accord ça? Oui. Veut noter ça. Oui, il va arrêter. Avez-y ou dans la rue. Dans la rue. Yo gaillé. Yo gaillé. Yo ka Pétionville, yo ka Delma, vous comprennent? Yo ka dans cette ville là. Et yo capable parler n'importe qui est. Et n'importe qui est. Capable de tomber d'amour et tout. Il parle de Simone. Où est le problème? Selon la DCPJ, il y a joué que Paola, non seulement identifié et puis reconnaître que les associés non S plus S, avec numéro 37, 36, 76, 59 là, qui lui-même c'est pour Soso 5 secondes, qui sont membres influents selon la DCPJ, hein, c'est pas moi qui a parlé, DCPJ qui a parlé, selon la DCPJ, qui sont membres influents du gang de village de Dieu. Et après, Paola reconnaît tout que l'identifié numéro 33, 22, 03, 64 sous nom Belboss. Belboss là, d'après DCPJ, sont présumés bandits qui basés dans zone Minotri. Il s'est allié 5 secondes. Toujours dans le cadre de recherche de CPJO, recherche approfondie, eh bien, dans le même jour, enquêteur a exploité téléphone portable Mademoiselle Ruth Michel Noël alias Michel. Son iPhone, nous te dit ça, 6S, couleur rose et blanche, etc. Numéro 3649-2705. Eh bien, dans le moment d'exploitation, selon sa DCPJ, joint guerrier du seul, il joint un répertoire concerné à enregistrer avec un emoji cœur brisé. Numéro 48 50 36 20, c'est pour Soso Seconde, Soso 5 secondes pardon, selon la DCPJ, qui c'est un membre influent gang 5 secondes. On l'autre bon dans même registre là. Madame Michel ou bien mademoiselle Michel identifie et puis reconnaît que numéro 43 48 29 52 a c'est pour Bakopla. Bakopla selon la DCPJ, c'est un membre influent du gang 5 secondes. Attention, quand vous allez mettre vos bacs place au téléphone, Trésor. Tikem. DCPJ qui a parlé, c'est pas moi. Enfin, Madame Michel ou bien Mademoiselle Michel reconnaît Guerrier du Seul qu'elle est associée non Big Bo à un numéro international plus 1 786 721 51 23. Elle dit numéro ça, c'est pour Zepekenyo. Zepekenyo, c'est selon la DCPJ. Toujours un membre influent du gang 5 secondes, guerrier du seul. Ni au lendemain, ni aussi au lendemain, soit le vendredi 15 et puis samedi 16 mars 2024, enquêteur qui a traité dossier, yo al reposé Paola Stinfil alias Pao ensemble avec Michel Noël alias Michel question en présence bien sûr de avocat yo qui s'est mettre Wilner délicieux. Eh bien dans interrogatoire de CPJ à fois ça, Paola Stinfil expliquait, oui, il était arrêté, effectivement, oui, il a joué dans WhatsApp, que il a eu une conversation avec, présumé bandit Pekenyo, m'a bien influé en réseau malfaiteur 5 secondes, et il a mentionné que il y a des agents qui étaient, ouais, conversation WhatsApp avec acolyte Witt Michel, Noël Gras Michel, alors qu'il a planifié pour rendre dans le village de Dieu,
dans un moment, ils ont interpellé, ils ont dit que ils ont été interpellés. Yo, yo t'es arrivé à arrêter, c'est grâce avec astuce policier qui t'es quand même contraint pour carrer les yon lot et puis après ça pour faire raccroiser sous même espace là et puis regarder qui rapport développé qui question. Et Paola Snefil alias Pao, lui reconnaît effectivement des gains des liens avec des hommes du gang de Village de Dieu et à titre ça, il a avoué qu'il était commencé à communiquer avec chef gang Johnson André alias Izo sous numéro international sous bail là et il dit que l'ité gagne un numéro international là et l'ité associé avec non pas gain à l'aise bof à l'aise artiste là dans répertoire li parallèlement li soutenu pour dire pas jamais gain pour te rencontrer Izo en personne pendant les 10 ans 1000 Atlaika ainsi connu qui gagne numéro téléphone 36 12 95 78 les mêmes t'es déjà rendre les visites dans fief li pour te cab bali en nuit de plaisir sexuel pendant au table bali ou l'argent etc. Il dit lui-même, il n'y a pas qu'on rencontre Izo, mais il parle à Izo dans le téléphone, mais il parle de Izo, parce qu'il y a un ami qui est Atlaika, qui déjà passe son nuit avec Izo, qui dit, bah, yo belle. Belle, il tourne à bah, yo belle. Ah, bah, yo belle. Qui dit, sous rage, il ouvre. Mais bah, yo belle. Paola Stefil, selon des EPJ, alias Pao, il évoque l'habitude qu'il a gagné pour parler avec bandits sous 5 secondes. Son numéro de téléphone, nous avons déjà eu. Il racontait qu'il était associé dans le répertoire avec S plus S. Nous expliquons ça déjà. Mais il dit tout dans le premier interrogatoire là, qu'il a des rapports sexuels avec. S plus S là qui est sous 5 secondes là, mais fois ça, lui concéder que c'est ménage acolyte lui Michel Noël alias Michel que Soso est. Non premier temps le dit Soso te fait bagarre avec. Non deuxième temps devant des CPJ, lui dit comme ça que mon cher c'est pas ménage d'abay, c'est pas ménage lui, c'est ménage Zamil. C'est un ami qui est le 8 Michel, Noël alias Michel. Mais il fait des ordres avec les mêmes. Bon. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, il est seul. Mon Dieu. Mais il dit qu'il est seul, mais l'honnête, oui. Mais il dit lui-même pendant plusieurs fois, sur ce 5 secondes, tu es toujours à battre pour faire bagarre avec elle, mais ça va être arrivé fait. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Ok. Yon l'autre bord, eh bien, Paola fait connaître que acolyte li Dashkar ainsi connu, numéro de téléphone 3903-1262. Faut regarder dans le répertoire du donné, c'est pas un monde qui est Dashkar. Qui habite le village de Dieu, et puis, un peu le monde connaît sur TikTok, sous sobriquet, Moun Accents. Sous TikTok. Eh bien, il te gagne tant deal que Soso 5 secondes par bail l'argent, puis il a fait bagarre. Mais ça le dit pas là. Il dit comme ça que Soso c'est ménage Zamil. OK? Yeah. Est-ce que là? Même là. Yeah. Mon ça a écrit mon Zamil. Oh. Laisse. Ouais. Les tirer vidéo. Allez. Quand internet ça lui-même. Ok, c'est ça le Zaldi. Lydie, sous 5 secondes, pas ménage. Sous 5 secondes, c'est ménage Zamil with Michel Noël. Mais elle dit, sous 5 secondes, tu comptes toujours demander le fait bagage. Okay. Mais elle dit, ça fait pas de fait bagage avec sous 5 secondes, il y a 11 000 qui est le Dashka. Zamil de Gedan dit, pas la peine pour aller dans la famille, je ne vais pas faire l'argent. Ok, ce soir? Oui. Okay. Et bien, il y a un peu. Ce soir, pas bagage. Li bay moun pou bay. El bay. Li bay. Oh, ogé ta photo yo? Dis-nous des belles ti moun, ni ta sou internet. Mwen pa kòl nan te donné. Mon accent li rele. Paola Stefil, alias Pao, eh bien, fait des CPJ konnen. Li fait bagarre avec Zepekenyo et pendant deux fois ça Zepekenyo t'est balé non premier temps 15,000 goud non second temps 20,000 goud et puis il dit au passage et Zepekenyo pas ménage lui c'est deux nuits de plaisir il était passé avec lui mais Zepekenyo c'est ménage on a collé qui est Neftali Revolus
alias Tali. Et il précise que Mounzaou a gagné 4 ans depuis qu'il a gagné. Il y a Paola dit il a gagné des rapports sexuels avec l'autre présumé bandit, parmi les belles boss ainsi connu, qui est basé dans la zone minoterie. Et il dit lui-même le plus remet fonctionner avec Belle Boss parce que Belle Boss gagne les bâtis quoi. Il a affirmé que il était flirté à Belle Boss et depuis son premier jour, Belle Boss était là avec 20 000 gouttes d'amel. 4 000 dollars haïtiens. Et puis pour le finir, il dit que. Il a causé, il a gagné. Il dit que. En dans 5 secondes, Gaïe de sel, lui répond que le pas joué aucun rôle dans mauvaise action que groupe gang n'a posé. Lui même ça le fait c'est by plaisir. Il pas en question by kidnapping, il pas en question infraction etc. Moi c'est le plus comme 20 000 gouttes, 15 000 gouttes ça. Pour Whit Michel Noël, pour qu'il a fini Gaïe de sel, lui raconter. Même j'avais Paola, mais qui le été arrêté, mais pour qui ça, etc. Et dans un moment interrogatoire, on a gagné dans le service d'investigation du commissariat Delma. Whit Michel Noël, alias Michel, était indexé également à Colitlin Neftali Revolus, alias Tali. C'est lui-même qui était passé le numéro présumé bandit sur 5 secondes, ainsi connu. Et en plus, il réitérait la relation que vous tous les deux avez gagné avec 5 secondes. Et Lidil était déjà passé des moments de plaisir avec lui dans le village de Dieu, 1er et 3 novembre 2023. Et dans même titre ça, il était dit de CPJ Guerrier que Soso 5 secondes, te qu'on bali 25 000 gouttes pour chaque jour passé avec lui. Chaque nuit, il passé avec Soso 5 secondes, Michel Kappale, il bali 25 000 gouttes. Ça veut dire s'il fait 2 jours là pour 50 000 gouttes, il fait 3 jours en bas, il a pour 75 000 gouttes. Ainsi de suite, s'il fait 4 jours, il fait une semaine. C'est pas moi qui parle, guerrier. Les CPJ qui parle. Et puis, de l'autre côté, il y a un Whit Michel, alias Michel Gaillet, qui expliquait il était projeté un rendez-vous avec Zepe Kenyo, dans samedi, qui est après le suivre à l'arrestation là. Cependant, il admet quand même que Zepe Kenyo, ensemble avec Iso, Soso 5 secondes, backup la tête pas droite, ainsi connu, c'est des présumés bandits village de Dieu. Et parallèlement, Gaïe, les 10 des CPJ, qu'il était fait bagarre avec backup la, ainsi connu, qui est basé dans la zone Ménotri. Et en revanche, il a posé la question sur raison qui motivait le Gaïe pour lui faire bagarre avec présumés bandits, alors que son bel Simon était qu'à jouer n'importe quelle activité il fait. Eh bien, oui, Michel Noé, alias Michel, il fait enquêteur des CPJ au Konyen avec M. Sayo. Moment ça yo yo bien payé par contre il admet que monsieur Sayo gagne de seul il fait l'argent yo dans les activités louches. Voilà, c'est quand même deux cas qui t'ai intéressé moi dans documents ça qui sont documents qui pas public attention hein. Et pas mal de bon faire jeune de tout comment le fait public tout sur document qui doit joindre paquet pas bien arrestation été faite depuis mars mais c'est dans mi-juillet pour fin juillet là que document ça doit être un paquet pour les suites nécessaires. Il y a des gens qui sont incarcérés dans quatre dossiers ça, mais comme ça, il y a des gens, la police a cherché un chien fou et a demandé pour le paquet mettre mandat derrière. Et nous avons dit ça pour nous conclure avec Patti Medamio lundi dernier, c'est même pas la nouvelle dit. Dans la vie, on a toujours le choix. Ça fait pour mon avenir, c'est parce qu'il y a fort pas bon, parce qu'on a misère, parce qu'on a besoin de payer caille, parce qu'on a besoin de manger. Et pour bailler tête tout, on s'est eu deux habitudes. Il y en a d'ailleurs aussi, elle prend plaisir avec gang. Pendant qu'on est côté gang, il a fait l'argent, guerrier tout seul. Si il n'a pas arrêté, il va arrêter, il va faire des gens qui viennent clamer l'innocence ou là. Si il a bailler bois calé, il va bois calé, il va faire des gens qui viennent clamer l'innocence ou là. Parce que chaque choix fait dans la vie, il y a une conséquence. Pour décider si avec un monde qui n'a pas rien pour en affaire, ou à Bouel. Ou décider ça avec Dieu donné malheureux tant que moi avec lui en affaire, ou à Bouel. Mais si vous décidez, si avec un gros projecteur sur vous, si avec un gros moyen, un gros argent qui est kidnapping pour vous, eh bien, il faut d'accord tout,
oui comme la belle dans moi bien manger nous va mettre les chaque week-end nous va faire zone nous va dans belle studio mais l'air marre tout faut d'accord tu ca marre nous au même titre et ca considérer comme criminel au même titre que lui l'air ba boire aller tout faut d'accord tu gagne des côtés ça arrive au tout bonjour tout le monde. Oh, bonjour Johnny, oh, bonjour tout le monde. Donc, est-ce que je suis obligé de tout le monde ça? Non, je vais mettre mon dad. Bye bye bye. Ok, non. Ah ouais, ouais, même. Ok. Like Guyane, j'ai un baba. Ah ouais, pas besoin de ça. Ok. Ok. En tout cas, c'était. Un dossier. Hein? Très lourd matin. Hein? Yeah, yeah, yeah. Et qui peut-être nous connaît. On sait des réalités tout. Ça veut dire, vous mettez mandat derrière, que ce soit journaliste ou bien dans le cadre de dossier, c'est vous allez expliquer si c'est vrai ça vous dit. Bon, oui, probablement, parce que là, par exemple, regardez, et ok, vous dites honorable magistrat, tandis que recherche après poursuivre en façon pour identifier, pour localiser, identifier et déférer devant instance tout l'autre monde qui est impliqué dans un acte répréhensible qui dit dans le document, il dit dans Falsa, nommé Yvener Sila Fanor, alias Falap, Paola Stenfil, alias Paro, Witt Michel Noël, alias Michel, et Neftali Revolus, alias Tali ou Talo, ils ont déféré en état avec procédure et pièces qui gagnent dans le document ça. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont arrêté et que ils ont transféré le dossier par le parquet. Et le bureau affaires criminelles l'a suggéré pour un mandat d'amener qui, avant ça, émettre par autorité judiciaire compétente contre nommé Zepekenyo ou enfoiré, Soso 5 secondes. Backup là, tête pas droite, tête pas droite là, il est bien paquet de bail, non, tête pas droite là, ça gagne. Un paquet de persil, ou épingle, yeah, fourré dans tout gel, tout côté, encore là, il est même. Mm-hmm. Tête pas droite, Atlaïka, Gaël, Mayou, Dashkar, Evenson Joinville, Matsadoville, mais Mackenzie Victor, Stanley Jacques, Odaï, Mano, Machanze Haïti. C'est la radio tête il salé, c'est au coup d'il. Yes, il y a mort. Ok. Bon, ma petite dans yo. Ok, Mackenzie Victor, Stanley Jacques, Odaï, Mano, Machanze Haïti, Jean Gardi, Yeye, la Kili, Kofi alias Rasta, et l'autre Mounsayo, Manda capable de dessiner. Ok, Johnson André, ok, bon, ça y est, Iso. Donson André alias Iso, Renel Destina, Elastilapli, Emmanuel Salomon alias Mano, Jimmy Cherizi alias Barbecue, Chris Trois Chéri alias Chrisla, Makout 57 ou Drôle, Vite l'homme innocent, Jeff Larose alias Jeff Canaan ou Jeff Gaulois, ça y est qu'on côté, oui. Ok. Claudie Célestin alias Chaméchant, Giro Ronald, Gilles Bertrand, Franz Prisma, Wed, Bougoy, Benzema, Jerry, McKinley, Billy, Benjamin, Tirasta alias Volume 3, Big Boss, Big Joss, hein, Chaméchant alias Backup, Gary, Monclès, ex-policier, Penesto, Caïman Boucan, Gilbert, Mano, chef de file Bolanmer, chef de file Bolanmer, Boud Jean-Jean, Izzy,
Daniel, Clavens ou Lala, Mardouché, Iska, Noël, Achille Gilbo, Tichauffet, Kerbi, Maf, Fray, Jean-Claude, Jérémy, Wouche, DG, Amazon, Choléra, Mazora, Tiga, Tirasta, Ti Watson, Thomas, Oscar, Ebel, Sony, Quinquen, Florida, Tichauffet Canadien, Selon Dieu, Chris Ford, Tony Mann, Edison, Sonel, Bois Orange, Daniel, Djaroul, Malcompran, Ditrop, Calixte, Massino, Tekyumi, Toutou, Fred Basile, France Leboin, Épreuve, Fanel, Rouli, Tilepé 40B ou Tilepé, le petit Jameson. Et on pense que c'est le résultat de la carrière. Il y a un mari contre Radio. Oui. Soson, Marco, Franz, Thomas Jean-Willy, Sylvestre, Eric. Voilà. Donc, mon saïo, c'est mon bureau affaires criminelles là, m'a dit pour alors, suggérer avec magistrat donc pour mettre mandat capable de expliquer. Bon, moi je pense que journaliste par exemple Falap cité dans le roi. Moi pas même besoin de temps, bon ça c'est moi. Si me connais pas rien ou bien si me connais que tu as une misinterprétation de témoignage Falap là. Moi même je t'ai juste mobilisé avocat, marché jeune des EVG ou bien si l'OCR est en parc mal baguette. Ah, oui, non pas rien. Oui, nous même passé ça hier, mal réfléchi sur ça. Oui. Si le dossier est arrivé par cœur, donc mobiliser le cabinet d'avocats, peut-être aller pas tant de mettre d'ailleurs, ou ce qu'on n'a pas dans rien. Il y a une mise interprétation de témoignage. Parce que ça, pour me comprendre, pendant monsieur, en parlant de Falap lui-même, il dit de CPJ ça, mais parallèlement, guerrier de seul, mon voice monsieur, quand il avait expliqué que il n'y a pas de dîner dans la gang même Javel, les dîners ont rentré, sorti, dans le ghetto, et même un bout de papier. Par contre, c'est l'authentique, ça ne va pas partager le contenu. Hein? Que monsieur t'a écrit et, comme message pour madame Nibaye, journaliste. Je ne vais pas citer dans madame Nibaye parce que madame Nibaye n'a pas figuré bien ce côté, je ne vais pas faire ça. Bah, journaliste, vous dites effectivement le citer dans vous, mais ce n'est pas parce que vous avez un gang avec. Mais par contre, dans l'autre paragraphe dans le document, monsieur cite deux journalistes, nommément, ils disent ça, yo, selon des EBJ, deux mèches avec. Okay. Avec gang. Yo. Okay. En parlant de Joinville et puis Blanc ainsi connu. Ok. Oh. Mhm. T'as quoi, journaliste, t'as quoi, Mathieu Ado. Je dis, c'est là tout malade. Oui, malade. C'est lui qu'on travaille pour la Voix d'Amérique. Oui. Et. Pour comprendre. Je dis que Mackenzie Victor. C'est la Voix d'Amérique qui compte. C'est le dossier qui compte. Qui compte faire ça. Donc on y a là. Mais si effectivement, mon dieu, on va rien pour eux avec gang et que ce travail journaliste qu'on a le fait. Oui. Et bien, qui vous prend un avocat, etc. Il répond une question. Oui. Et puis après ça, pour sortir. Mm-hmm. Ouais. Mais en attendant, c'est le document qui est maintenant. Oui. Ok. Yeah. On a si au fond, il n'y a pas de reprocher. Bon, ça va se débat. Ok. Ouais, ça va se poser. Ok. On a les. On a les organes avec Jean-Georges Blaise, puisque Gagné. Ils sont responsables de mon abdi, nous abdi non non papa. Et dit en plus bandi au fait nos bacs à marcher, mais bandi au fait mes dames viennent chez papa. On responsable dit ça. Oui. Au gamin ménage pour diabou, au lieu de bal, au lieu de décider la bal 25 000 coups de diabou. 25 000. Ouais mais ménage quoi là. Il dit là non 25. De 25. Ah ben 50. Elle dit dans 4 jours là, elle fait 100 000 gouttes. Non, non, 2 jours, monsieur. Ah, dans 4 jours, elle fait 100 000 gouttes. Mais 2 jours, 2 nuits, elle fait 50 000 gouttes. Elle dit là, c'est pas. Elle va n'être pas directeur général là. Mon directeur général va toucher tout comme ça. Jamais, monsieur. Elle dit non, moi là. On imagine le fond, moi. Elle est salaire minimum là. C'est le fond, moi là. Salaire minimum là. 100 000. En tout cas. Ok.